Je m'appelle Anna Malinowska, tout le monde m'appelle Malina. Et je viens de Pologne et je suis venue à Kobiak pour effectuer mon SVU pendant 8 mois. Le Kobiak, c'est un collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle. Et c'est une association qui s'occupe du développement de la lecture et bibliothèque en Afrique. Et il y a une grande banque de livres, c'est une grande locale où on ramasse les livres qui sont les dons de bibliothèques de la région. Je travaillais tous les 2 jours de la semaine avec les jeunes d'Unicita, donc c'était les jeunes volontaires civiques, dans la banque de livres. On a fait du tri, on a sélectionné les livres pour les envois. Et après, 12e jour, on a passé pour préparer notre projet d'envoi les livres en Mauritanie. On a fait le tour de librairie pour demander les dons de livres. On a pris le contact en Mauritanie, on a changé, on s'occupait de la communication. J'étais aussi très intéressée de travailler dans cette association parce que justement je faisais les études de la littérature avant, donc je voulais vraiment travailler dans les livres. J'ai choisi Marseille parce que j'étais déjà sous la charme de la Provence, parce que j'étais ici il y a 4 ans. J'ai appris la langue, j'ai appris la culture française. Ce travail ici exigeait beaucoup d'indépendance de moi. J'ai appris tout de suite qu'il faut que je me coupe de moi, il faut que j'organise mon travail ici, il faut que je cherche le projet pour moi-même, il faut que je cherche ma mission dans cette association. Ce n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient, il y avait beaucoup de gens qui faisaient son travail, il était déjà très occupé. Ça bouge aussi tout le temps à Kobiak, il y a les gens qui viennent, il y a les visiteurs. Il y a les associations qui cherchent les livres pour les envoyer, pour les amener dans les pays d'Afrique. Donc ça bouge tout le temps. Et après, avec Charlie, avec mon collègue qui travaille dans le Banque régionale du livre, j'ai aussi pas mal discuté pendant le travail parce que parfois le travail dans la banque de livres est assez répétitif, assez automatique. Donc là, pour s'amuser, on a beaucoup parlé aussi de la culture, parce que lui, il vient du Congo. Donc c'était très intéressant. L'année prochaine, je commence un échange entre mon université en Pologne et la Sorbonne à Paris. Et je veux étudier à Paris la littérature polonaise, un semestre. Et après, je veux finir mon master 2 en Pologne. La première journée, quand je suis venue à Kobiak, juste la première journée dans le bus de Marseille-Aix, j'ai rencontré une fille. Elle m'a dit juste une fois comme ça que son copain, il joue dans un groupe de musique. Et après qu'on a préparé la journée, on a pensé de l'organisation de cette journée de la culture solidaire. On s'est dit que ça serait bien d'avoir la musique. Et j'ai dit, peut-être je peux demander à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui joue dans un groupe. Je viens de Bydgoszcz. C'est pas très connu, mais je te dis à Varsovie. C'est 300 km de ma ville. J'aime bien l'idée des associations comme le Kobiak. Je connais pas l'association comme ça en Pologne. Peut-être que ce serait une idée de créer quelque chose. Je voudrais bien aussi travailler dans une maison d'édition. Aujourd'hui, il y a ma mère, et mon frère et ma sœur. Ils sont venus de Bydgoszcz pour me voir.